أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour tous ceux qui sont éprouvés de la fornication ou l'adultère, inshallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une invocation qui peut vraiment nous aider avec l'effort que chacun va fournir en mettant l'invocation en pratique, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'épargner. Aujourd'hui, la jeunesse est éprouvée, tout le monde est éprouvé, les vieux sont éprouvés, les vieilles sont éprouvées, les filles sont éprouvées, les garçons sont éprouvés, la société elle est éprouvée, tout le monde est éprouvé, la fornication, l'adultère est partout. Est-ce qu'il y a une invocation, un doua contre ça? Oui. Nous les musulmans, nous croyons à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, nous explique, nous dit. Ninye kunafoni mbaye ka dislama bema. Bana dobe ayere mandi adama den doye. Amandi niye, amandi idew yake, amandi ka kabila yake, amandi iburju ni klosama. Ne ala utala sona, pepe se ninduwa uke la iyere kunye. Muso besa kela ocha uye kakla ka di ocha uma. Komi nchao besa dila u muso uma kakla ka ke u muso uye. Iba ki den uye, iba ke... Et bien, maman, il y a une société là pour que Allah Ta'ala essaie d'attirer ce qui est le plus important. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tout ce que nous disons, comme l'invocation ne vient pas de nous-mêmes. Ah, mais comment vous m'avez lancé en faouni en bas ou ma? Eh, à quand on a fait quoi? Ah, quoi, j'en ai aussi encore deux ou deux, mais quand même, moi, j'en ai là. Aïe, Allah crée des affaires, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ben, mille fois, un bol et la calé. Aw yara fana ma yara ku force ka onde taka labara komi ama nyini slamo bela ka foni fe ni Allah Ta'ala sona. Est-ce que la jeunesse est présente? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que nous sommes prêts pour écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner? C'est une invocation. Personne ne peut te donner ça au marché ni à la pharmacie, mais parmi les pharmacies, il y a une pharmacie prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la pharmacie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit la maladie que tu as, et cette pharmacie peut te guérir. Et cette pharmacie peut te donner, alhamdoulilah, la santé. La pharmacie du prophète est tellement importante de visiter cette pharmacie-là. Ce n'est pas une pharmacie de paracétamol, ni de dafalgan, ni de vitamine C, ni de vitamine A, ou bien ni de vitamine B. La pharmacie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus que tout ça. Une pharmacie, tu n'as même pas besoin d'aller faire des analyses. Je dois prendre tel médicament matin, midi, soir, deux médicaments ou trois médicaments ou quatre médicaments, non? Mais la pharmacie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit seulement de prendre un comprimé seulement, et tu restes aussi ce comprimé-là. Vitamine de ce comprimé-là va toujours t'animer jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide à ce que tu quittes cette vie-là. Donc, la pharmacie du prophète, elle est importante aujourd'hui. Nous allons rentrer chez lui. On va frapper cette porte. Ya Rasulallah, nous sommes présents devant cette pharmacie. Alakara, on n'a qu'à pharmacie d'Allah. Pharmacie mou ambe makobala. Quand on a fouraqué surtout, on a mis des gens à Timina, 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 on a Ako ya Rasulallah, idhan li bizina. Alakira. Nyefe, ya foko nebe seka jene yake. Alakira, jene ya logo bena akadinye. Donin kala uko kufuna ke ni nte jene yake la eme.
Janaya tu me a animé Janaya ou tunga dae a tu me fait cap do ala mais abena kana autorisation ta d'enfant ka son era ma fe ya rasulallah ala kara autorise moi la fornication. Je veux forniquer ya rasulallah ala kara me fait cap Janaya que sahaba minu sigini me imaginons. Les disciples sont avec le prophète. Quelqu'un vient tenir ce genre de propos. Le prophète, je vais forniquer, je vais faire un zina. C'est un fort. Mais le prophète, avec sa sagesse, Allah tu n'y hakli mon di ama. Allah kera ko sahaba ou ma ou ya toi. Ananane le makwa be feka djanaya ke ko djanaya le roba la ou ya toi ge. Ou ya toi. Tu veux forniquer, je veux. C'est l'adultère, tu veux, oui, c'est l'adultère, je veux. Le prophète lui dit, est-ce que tu peux accepter que quelqu'un vienne draguer ta maman comme sa copine pour forniquer avec ta maman? Il dit, non, 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 subhanallah. Alors, est-ce qu'il veut dire, Morodoye Nakana, elle bamso sumurutige kaka de timusoye. Ok, elle n'a pas la kara, subhanallah. Elle est tellement moyenne à ebam sauce mouritia choumika manamana kala. Elle devait attendre mousso mounouko manamana ke. Et bien, t'as son bam soudo. Kela kwa mayala, ibe diawa. Ma doyena idemso makana ma janayala wa kuno ala kera non 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 tiso. Kela ko kibe ban choumina choumoyena et demso mnaka janaya kenae. Et bien, t'as janaya keni ma mounouyo mobre demso. Kera ya magi nga, eski be diye mado ye na kananinke, i balema mousso la wa ta sœur, inimi me fakele, wala ma inimi me bakele. Eski be diye wa, mordo ye na, i balema mousso mna kaka sumurye ka manamana ka la, ako ala kera. Sadi kuma minube fola kera bolu, funa keni ni kuma tcheka juga nyakoro kudu. Kera kwa ma yala o, ta tanto, la sœur a ton papa, itene mousso, eski be diye mordo ye na kanan, itene mousso jene ya wa. Ako ala kera. Non, non, non. Kera ye Allah di kera bena na kana duwa udo dama sise numato amiria tetani nako ala kara kwa ma sallallahu alayhi wa sallam danfu nkaso herema ala uta alama chami nyonda atena nyondana abena duwa udi funa keni ma funa keni nini duwa ute funa keni bet kele ntaere nini duwa uye ambela kafuni tali ala kara kwa ma sallallahu alayhi wa sallam afo Allez, Allah kera de doua ou kafunake. Akodi. Allahumma tahir kalba. Allah ni funake dusukun seninya. Ka koka seninya. Wa gufiru dhanba. Ye ya fa julumuma. Wa hassin faruja. Akata fe julu. Aka kursi jala yo latanga. Kabini Allah kera ka doua ou ninken ni funake. Allah ye funake ni seninya ka bonima. Maintenant. Ni nebe fe ka duwa uke nyere kunye nkaka nka afochodi. Ni musomi nebe ka duwa u nike afurucheye. Alamende afochowo. Ani nebe fe ka kiyere ye. Amena diferansi do afochowo ke lengele nambela. Pour une femme qui veut mettre en pratique pour que Allah puisse épargner son mari, protéger son mari, elle doit dire Allahumma tahir kalba. Ou bien Allahumma tahir kalbahu. Waghfir dhanbahu wa hassin farjahu yotoka ni mfoso ala allahumma tahhir qalba ala purifie le cœur de mon mari ala purifie le cœur de mon fils allahumma tahhir qalba waghfir dhanba ala pardonne ses péchés wa hassin farja ala protège-lui pour qu'il puisse garantir sa chasteté. Ni me fait qu'à ni qui yere. Ala yi seninya kabo djeneyama. Aye djeneyama buila ibi yere don ala kadiye. Afo Allahumma tahir kalbi wa gufiru zambi wa hassin farji kuma kansa badoron. Allahumma tahhir qalbi wa ghfir dhanbi wa hassin farji. C'est fini.
tout le monde est prêt, je vais écrire l'invocation là de suite là pour partager. Mais avant d'écrire d'abord, il faut mettre ça en pratique. Tu peux le réciter anytime. Wati wati ki deka seli kofe. Seli farda seli kofe. Wati ye duwa ujabi watu ye. Ika su seli kofe. Allahumma. Nti ala utala. Tohir kalbi ala. Ne dusukun senia shetana. Bena kana klonke ndusukuna. Ala ndusukun senia. Allahumma tohir kalbi. Waghfiru dhambi. Ala ya fanjulumuma. Ala ne julumu todede. Wahassin farji. Ala. Yenne ke mogo ye mogo mi mese ka akursi jala wala ma ka tafe jala kisi kabo manamana bema. C'est le prophète qui a donné depuis qu'il a fait l'invocation là pour le jeune là. Le jeune non seulement il s'est plus vu dans ça, il a été purifié, protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu sois protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation que le prophète a donnée à ce jeune homme qui voulait forniquer, qui s'est présenté devant le prophète Ya Rasulallah, le prophète, je vais forniquer. Le prophète a fait l'invocation. Il dit, Allahumma tahir qalba, waghfir zanba, wa hassin faruja. Allah ta'ala ka funankani sutara, ka boni manamana bema. Anfauni ambaw. Anfau ani ambaw. Ma'aminul lajara binimeni janayay. Oyo seko beke jeneya obe ben ala obe bo ala obo yere yala. Adama den ke la nyanya, shetana fana fanga kabo. Ninyo funa ke yemi nana kana ala kera soro ko ala kera ya to alebe jeneya ke. Ala kera ko eski bet diye mo do yeni ibamso ma jeneya bonda kono wako ayi. Eski bet diye ma do yena kana idemso jeneya wako ayi. Eski bet diye ma do yena kana ibalma muso sungurutika wako ko ayi. Eski bet diye wa ma do yena kana itene muso jeneya ko ayi. Kera kwa ma ni ete diye ma u yena kana ninki barama wola. Ebe se choko di kata ninke ma gwere barama wola. Ala kera ye duwo ke nifunenke akwama. Allahumma tahir qalbahu. Ala adusukun senia. Waghfiru dhanbahu. Ala yafa julumuma. Wa hassin farjahu. Ala yake maye mami maka kursi jela la tangawara maka tafe jela. Donc ama ala utala dalika duoni foli noya ambe ala mokela. Surtout la jeunesse de mena. L'invocation là vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour toi. Mets ça en pratique et tu seras protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma tahhir qalbi. Waghfir dhanbi. Wahassin farji. Inch'Allah, on va écrire l'invocation de suite là. Dans les commentaires, ni Allah ta'ala sona. Amena. À ce commentaire là. Oui, je dois commenter même. Ok. Allahumma. Allahumma. اللهم طهر قلبي واغفر ذنبي اللهم طهر قلبي واغفر ذنبي وحصن فرجي سي محمد دياني كي انفوي au lieu de محمد دياني rappelle si vous regardez un peu commentaire j'ai mis ça je viens de mettre ça alhamdoulillah
C'est mieux de mettre ça à partir de mon dernier appel d'Islande parce que c'est là-bas que je fais le direct. Nye, allez, trop de Oubla déjà. Moi-même, je vois déjà l'invocation là, Inch'Allah. Ok, je vais mettre ça ici encore. Si vous avez vu l'invocation, faites-moi signe. Allahumma tahir qalbi wa ghafir. Dambi. J'ai cela écrit droit. Je vais mettre un peu de différence. Quand tu veux faire pour quelqu'un, pour faire... Pour faire pour ton mari, pour... Pour faire pour quelqu'un d'autre. Récite. Oh, my God. Ça va, je pense que je vais. Il est l'heure du Maghreb. On va prier. Après, on va mettre un peu de différence, Inch'Allah, dans les. Amen Abla Titir Kor, Inch'Allah. La conjugaison en arabe, c'est très simple. Quand tu veux faire pour quelqu'un d'autre, pour toi-même, tu dis Allahumma tahir qalbi bi waghfir zambi bi. Ça, c'est toi-même. Wahassin farji ji, ça c'est toi-même. Maintenant, si tu veux faire pour quelqu'un d'autre, pour ton mari ou bien ton fils, regardez comment je vais prononcer. Je ne vais pas dire bi dans ça, parce que je vais faire pour quelqu'un d'autre. Allahumma, tohir kalba hu, c'est lui. Mon fils là, ou bien mon ami là. Allahumma, tohir kalba hu. Waghfir zanba hu. Wahassin farjahu. Ça c'est pour lui. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Écoutez les prêches, bénéficiez de ça. C'est le plus important aujourd'hui. Ne gaspillons pas le temps que nous prenons aujourd'hui devant les téléphones. Quels que soient les réseaux que nous sommes abonnés. Il faut que les réseaux là soient, alhamdoulilah, pour nous. Des Dalil le jour de la résurrection. Allah ma réseaux sociaux que l'ambolo d'Alu, Anima Baiki Amalo. Ankana Kawa Tuta, Ka Anya Blakula, Kumu Bekama, Jambate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.